Bonjour à tous, bienvenue sur Angel Taina, c'est Nat et je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. J'étais vraiment impatiente de vous retrouver. Comme vous le savez, pour la plupart, j'ai été très mal en fait la semaine dernière. J'ai eu des vertiges positionnels dus en fait à des cristaux qui se baladaient dans mes oreilles. Alors je sais que c'est très rigolo pour quelqu'un qui pratique la lithothérapie, n'est-ce pas? D'habitude c'est moi qui les manipule et là c'est eux qui m'ont manipulé. Alors bien sûr c'est pas les mêmes, hein, mais donc j'ai été très très mal en fait. J'ai dû aller aux urgences ORL en fait pour me faire manipuler afin de faire passer les vertiges. Donc ça a été très long. Après la première manipulation, il a fallu que j'attende 4 jours pour être un petit peu mieux et faire la seconde. Et ce matin, là nous sommes mercredi, et enfin, je ressens un réel mieux. Alors j'ai toujours un peu, je suis un peu toujours groggy, enfin je sais pas, je suis pas quand même encore dans mon état vraiment normal. Mais ça va quand même beaucoup mieux et donc je recommence petit à petit à faire des vidéos. Alors je vais pas en faire 150 par semaine, ça c'est sûr. Je pense ralentir un petit peu le rythme, même au niveau du boulot je vais être obligée de toute façon parce que ça m'a beaucoup fatiguée. Je dors pas très bien, j'ai pas bien dormi pendant 6 nuits, donc j'ai accumulé de la fatigue. Donc là il va falloir que je me rebooste un peu. Mais je tenais quand même à faire une petite vidéo aujourd'hui déjà pour revenir un petit peu vous rendre visite, voilà. Alors je voulais aussi remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages privés, des messages via Facebook, via Google, Hangout. Merci, j'ai été très touchée de tous vos petits messages, ça m'a beaucoup aidée aussi parce que quand j'étais vraiment pas bien... de voir le nombre de personnes qui m'ont envoyé des petits mots gentils pour reprendre des nouvelles, me souhaiter bon rétablissement, ça m'a vraiment beaucoup touchée. Donc merci beaucoup à tout le monde, je vous fais de gros gros bisous et je suis vraiment heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Alors, j'ai reçu en plus fait exprès beaucoup de paquets que j'attendais depuis super longtemps. Il y a des paquets que j'attendais depuis le mois de mai, depuis le mois de juin et des commandes que j'avais fait cet été. Et en fait, je ne sais pas ce qui s'est passé, à croire que la poste retient les colis. Tout est arrivé en même temps, en fait. C'est-à-dire que tout est arrivé au cours de la semaine dernière. Donc, j'en ai quelques-unes de sympas, de vidéos à venir. Mais là, j'ai tenu à commencer par une vidéo que j'avais promise à certaines personnes. Donc, j'ai ouvert l'enveloppe, comme vous le voyez. Alors j'ai regardé brièvement ce qu'il y avait dedans parce que j'ai été tellement fatiguée que j'ai pas ouvert la plupart des paquets qui sont arrivés. Donc celui-ci je l'ai ouvert pour voir un peu quand même à quoi ça ressemblait. Et donc je vais partager avec vous ce tarot. Alors c'est pas une review, c'est pas une unboxing du coup, pas vraiment. C'est pour vous faire découvrir ou redécouvrir un tarot qui a eu beaucoup de succès, qui a été out of print. Donc, c'est le Buckland Romani Tarot. Je vais fermer la boîte quand même. Le Buckland Romani Tarot, de John Buckland, avec des illustrations de Lisanne Lake, qui sont très très belles. Alors, ce tarot, il a été publié par Llewellyn il y a quelques années. Donc, il a été ensuite out of print, et Galle de Presse a refait une édition de ce tarot, qui a été aussi out of print. Donc ce tarot se trouvait à des prix, et se trouve toujours d'ailleurs, à des prix exorbitants sur internet, sur Amazon entre autres, vous le trouvez pour 300, 400, 600 euros, enfin c'est n'importe quoi. Et avec de la patience et en creusant, j'ai vu que Galle de Presse l'avait remis sur leur site internet, avec le livre, qui est vendu à part, je précise. Donc en fait ce tarot a été réédité, donc il est de nouveau vendu, il est de nouveau en stock chez Galle de Presse, vous le commandez directement chez Galle de Presse aux États-Unis pour $19,95 hors frais de port, et les frais de port sont assez onéreux pour ce tarot, ça dépasse les $25 je crois, donc je préfère vous le dire. Donc voilà, j'ai tenté, alors j'ai fait cette commande en juin.
Et cette commande est arrivée la semaine dernière, parce qu'en fait, il était out of print et ils ont dû, vu la demande, refaire une édition. Donc ils l'ont réédité et donc il est à présent disponible en stock en nombreux exemplaires. Alors, je ne vais pas vraiment vous parler du bouquin parce que je l'ai à peine ouvert. Donc c'est un grand livre en fait, qui a l'air très beau. Donc il fait aussi, lui aussi, $19.95. Il a été lui aussi imprimé par Galle de Presse. Donc en fait, il va vous détailler le tarot. Donc vous avez la table des matières, les remerciements. Donc on vous parle de cette nouvelle édition parce qu'elle est différente de la version qui avait été faite par Louis-Lin. Donc il y a un petit mot là-dessus de Raymond Buckland, d'une intro. On vous parle des gitans et du tarot. Donc voilà, vous avez quelques pages là-dessus. On vous parle des noms qui ont été utilisés. Alors il faut savoir que pour tous les arcanes majeurs, les noms ont été changés. Et pour... alors attendez, je vous dis ça, mais en fait, est-ce que je vous dis bien? Je ne sais pas du tout, parce qu'en plus, elles ne sont même pas dans l'ordre, en fait. Ouais, les arcanes majeures, en fait, il n'y a pas de nom sur les cartes, mais les noms ont été changés au niveau du livre, en fait. Voilà, donc on verra ça après avec les cartes. Le nom des suites a été changé aussi. Voilà, donc il y a beaucoup de choses... Alors, je pense qu'il doit suivre quelque part le Rider-Waite, quand même. J'ai l'impression, du moins. Qu'est-ce qu'on nous dit là ? Ouais, je pense qu'il doit suivre le Rider-Waite. Hein. J'ai pas encore tout étudié, mais... Donc voilà, alors, vous avez donc la liste de tous les arcanes majeurs avec leurs nouveaux noms, qui ne sont pas sur les cartes. Et ensuite, on vous parle de toutes les cartes, donc les arcanes majeures qu'on appelle Boro Lille. Et là, on commence avec le fou. Donc vous avez la carte en grand, vous avez je perds mes mots, ça commence bien. La signification, pardon, traditionnelle à l'endroit, à l'envers. Et vous avez l'interprétation de Monsieur Buckland. Voilà, donc vous avez trois pages pour chaque carte. Donc, deux ou trois pages, ça dépend des cartes, je vois. Mais voilà, donc c'est assez bien fait. Il a l'air complet, donc ça sera pour plus tard, pour moi, parce que là, j'ai beaucoup de choses à voir et je vais ralentir, n'est-ce pas ? Donc là, vous avez à la fin les tirages. Donc vous en avez plusieurs, vous avez la croix celtique bien sûr, donc là on vous explique, vous avez d'autres tirages. Donc c'est un livre intéressant, alors je l'ai pris parce que je savais que les noms étaient changés, qu'il y avait quand même des choses qui n'étaient pas vraiment traditionnelles, qu'il y avait des tirages intéressants, ça je le savais aussi, il y en a plein. En fait vous en avez, je ne sais pas combien, vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11... Vous en avez plus d'une douzaine en fait, donc c'est assez intéressant. C'est des tirages que je ne connais pas en plus. Voilà, ensuite on vous dit comment traiter vos cartes, comment les soigner. Il y a un glossaire où on vous donne en fait les nombres avec leur traduction en roumain. Vous avez une liste de mots aussi comme un petit glossaire en fait, donc ça c'est super. Alors on vous donne aussi, et ça c'est intéressant je trouve, à la fin vous avez le symbolisme des couleurs, donc on vous dit ce que signifie chaque couleur, le rouge, le rose, l'orange, le jaune, le blanc, le vert, le jaune vert, le marron, le bleu clair, bleu foncé, violet, pourpre, gris et noir. Donc c'est intéressant. Et ensuite vous avez une bibliographie à la fin. Voilà. Donc le livre est complet. Je pense que c'est un bon livre qui accompagne bien ce tarot. Voilà, donc à étudier dès que je peux. Et on va passer aux cartes. Alors elles arrivent donc dans une boîte en carton très très légère. Hein. Voilà, classique. L'odeur est absolument épouvantable. Et ce n'est pas lié à la boîte elle-même,
Ce n'est pas lié aux cartes, c'est lié à un petit carton. Je ne sais pas pourquoi il est dans la boîte. Pour caler le jeu, parce que la boîte est un peu plus grande, j'ai l'impression. Donc, il n'y a pas de guidebook. Et il y avait ce petit carton. Donc, j'attendais de le jeter pour vous le montrer. Et là, je le jette. Hop, il pue. C'est une catastrophe. Alors, c'est un jeu donc il y a une taille normale. Vous voyez le dos. Donc, le dos est bien sûr parfaitement réversible. Ça représente une roue donc, qui va représenter les caravanes en fait, du peuple roumain. Voilà, avec le drapeau roumain et les couleurs du drapeau roumain. Alors, elles ne sont pas dans l'ordre, je ne les ai pas remises dans l'ordre, donc je vais vous les montrer, je vais essayer de voir si je peux les remettre peut-être dans l'ordre. Alors, donc, j'ai sorti mes petits arcanes majeurs, mais déjà, je voulais quand même vous montrer quelque chose. On va parler un peu de la qualité d'abord. Alors, j'ai été déçue par la qualité, c'est un jeu que j'attendais, enfin il était sur ma wishlist depuis très longtemps, c'était un des tarots collector que je désirais le plus, avec le mat tarot, le tarot de Delphi qui est out of print aussi, ce sont vraiment des tarots que je souhaitais avoir, et alors, donc la qualité est vraiment très médiocre. Donc je m'arrête un peu dessus, alors je ne sais pas si vous verrez bien, parce qu'en plus il fait gris aujourd'hui, donc c'est pas évident, mais en fait ça fait comme des petites pelures là, ça n'a pas été, c'est pas franchement bien coupé, enfin, il faut que je regarde comment je peux enlever ça avec une lime, ou voilà, c'est pas top quoi, ça, on voit que c'est, voilà, que la qualité elle est pas top quoi, en fait. Donc, les coins sont arrondis, donc il y a des petits poils qui dépassent par-ci, par-là, donc ça, c'est pas génial. Et les cartes sont très fines. Voilà. Donc, elles sont, je sais même pas si elles sont plastifiées, à vrai dire. Très, très légèrement, je pense. Et la qualité du carton, elle est vraiment... Si on compare avec l'oracle des fées de Lucy Cavendish... vous voyez, voilà. Vous avez compris, c'est pas du tout la même qualité. Voilà, elle reste tordue, mais c'est pas grave, on peut la détordre. Donc ça, c'est vraiment pour moi l'énorme bémol de ce package. J'ai été déçue parce que la première édition de Galles de Presse avait une qualité de papier qui était excellente. Les cartes, alors vous avez une autre review sur YouTube en anglais où vous pouvez voir la qualité des cartes et la qualité elle est super. Donc là c'est pas le cas, c'est médiocre. Voilà, c'est un des jeux que je possède qui a la moins bonne qualité. Donc je préfère vous le dire, alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le veulent ce jeu. Comme il était très cher et out of print, voilà, il y a un gros engouement pour ce jeu. Je ne regrette pas de l'avoir acheté, les illustrations sont très belles. Maintenant, il est light. Voilà, donc je préfère vous le dire quand même. Donc là, vous avez le fou. Donc j'adore les illustrations. Je trouve vraiment que les images sont très belles. Il est très typique. Il représente une population. Voilà, c'est vraiment... il a un trait de caractère très particulier. C'est ça qui m'intéressait dans ce jeu. Donc, il est très beau. Vous allez voir, les images sont à tomber raides. À tomber par terre. Voilà, j'adore. Donc ça, c'est le magicien, une femme, donc qui est splendide. Vraiment très très beau jeu. La grande prêtresse. Alors, l'impératrice. Donc il y a les tenues traditionnelles. Il y a plein de choses. On rentre vraiment dans un univers, dans une époque. Enfin, je trouve ça super. Là, vous avez l'empereur, il est majestueux cet empereur, regardez ça. Il a une classe folle. Le hiérophant. Voilà, donc c'est très particulier, hein. Ça ne suit pas franchement le rider non plus quand même. Hein. C'est pour ça qu'il y a des différences. Alors, la carte des amoureux, elle est magnifique. Elle est vraiment splendide. Là, vous avez le chariot. Donc, un cheval noir, un cheval blanc. Bon, il y a des similitudes avec le Rider-Waite, hein, quand même. La force, elle est magnifique. J'adore cette carte. Je la trouve super originale avec l'ours. L'ermite. Vous avez la roue de fortune.
Bon, alors déjà, il y a quelque chose qui me gêne. Donc, quand je regarde le livre, parce que je m'appuie sur le livre en même temps, donc, on me dit que le 8, c'est la justice, et que le 11, c'est la force. Donc, je ne suis absolument pas d'accord, parce que pour moi, le 11, c'est la justice, et le 8, c'est la force. Donc là, il y a un inversement qui n'est pas... Voilà, pour moi, enfin, il y a une erreur là. Alors ensuite, on continue. Le pendu. Donc là, c'est vraiment très particulier aussi, hein, puisqu'il s'agit d'un lapin pendu par les pattes. La mort. Elle est très belle cette carte aussi. Je la trouve très originale. La tempérance. Magnifique, hein. Elles sont belles, les images. Très, très belles. Alors, le diable. Là aussi, j'aime bien. La tour. Vous voyez, en haut. Avec, avec les éclairs et ce chariot qui tombe dans le vide. L'étoile. La lune. Elle est magnifique. Les couleurs sont très très belles. Le soleil aussi, elle est splendide avec le drapeau. Le jugement, très différent d'un Rider-Waite traditionnel. Et le monde, avec cette belle danseuse Esmeralda. Voilà, c'est magnifique. Hein. Franchement, non, les illustrations, elles sont vraiment belles. Et puis j'aime bien l'originalité de ce tarot. Il me plaît vraiment, je vous dis, il n'y a vraiment que la qualité. J'aurais vraiment voulu un papier un petit peu plus épais, mais bon. Voilà, on ne peut pas tout avoir. Déjà, c'est un original parce qu'il faut savoir qu'il y a eu des contrefaçons vendues sur Etsy, notamment. Mais le vendeur a été viré du site Etsy. Voilà, donc il y a eu des contrefaçons russes et ukrainiennes de ce jeu. Donc on le trouvait pour à peu près aussi 19 dollars et c'était un faux. Voilà, avec une qualité qui n'était pas top, des bordures, enfin bon, des images un peu floues, je crois, c'était pas terrible. Donc là au moins, ça a l'avantage d'être le vrai. Alors je vais vous montrer quelques cartes. Donc là, alors je vais quand même prendre le livre là aussi. Pour les suites, parce que donc ils ont changé le nom des suites. Alors, les arcanes mineures, donc on les appelle Tarnow-Lil. Et donc, Bowler-Soot, ça va être par exemple les roues, donc les pentacles. Alors, il faut que je les trouve. Les bowlers, voilà. Donc là, vous avez l'as par exemple. Vous avez l'as, là vous avez le 8. Je vais vous en montrer encore quelques-unes. Là vous avez le 9. Donc elles sont vraiment très particulières ces images. Et elles sont très belles. Et là vous avez le 2. Voilà par exemple. Alors ensuite, on va passer à la suite suivante. Donc par exemple pour les koros, il s'agit, alors koros suit, il s'agit des coupes. Alors je vais vous montrer ça. Donc là vous avez le 3 de coupe qui est trop beau avec des couleurs, mais les couleurs elles sont magnifiques. Les images elles sont d'une clarté et avec des couleurs ça ressort très bien quoi. Donc ça de ce côté là c'est vraiment pas mal quoi. Alors, les suites, donc, du coup, le 4, le 5, voilà, et alors, à ne pas confondre, il y a une autre suite qui doit être la suite des bâtons, je pense, qui s'appelle Koshiz, ou Koshiz, je ne sais pas, mais il y a Koros avec un K et Koshiz. Donc, les noms sont un peu compliqués. Voilà, donc ça, il s'agit des épées en fait, pardon, staves. Je crois que c'est les... Non, pardon, c'est les bâtons. C'est, ouais. J'avais un doute. Donc, le 5 de bâton. Je le découvre, hein, donc c'est pour ça que je suis un peu à tâtons. Je le découvre aussi.
Donc là, vous avez le 6, le 10 de bâton. Voilà. Et je vais vous montrer à quoi ressemble la suite des épées. Donc, qui est la dernière suite, qui est la suite Gives. Donc là, vous avez le 3. Le 5. Elles sont très très belles. Là, vous avez le 10. Voilà. Donc, un jeu qui est très particulier. Très très particulier. Alors, je reviendrai peut-être dessus dans quelques temps. Je ne sais pas encore si je vais travailler avec ou pas. J'aime vraiment la beauté des images. Après, c'est un jeu, je pense, qui demande quand même pas mal de travail et d'investissement pour travailler avec, parce qu'il est vraiment très spécial. Wow, regardez le roi. Je ne vous ai pas montré le personnage de cour. Roi des bâtons. Roi des coupes. Roi d'épée. J'ai tous les rois là. Le roi des pentacles, on va dire, des roues. Là, il y a l'as des bâtons. Je vous en montre encore quelques-unes, hein, parce que l'as des coupes, hein, il est beau celui-là. L'as d'épée. Voilà, je vais essayer de vous trouver encore des petits personnages de cour pour vous montrer quand même. C'est vrai qu'on ne les a pas trop vus, les personnages de cour. Ah, j'ai un as là encore. Je vous l'avais montré, je crois, celui-ci. Ah, vous avez les reines. Oh, la reine, elle est magnifique. Regardez ça. Magnifique reine. Des bâtons. La reine des coupes. Reine d'épée. Reine des pentacles. Un peu plus âgée. Voilà, vous avez les pages. Je vais vous les montrer aussi. Alors là, vous avez le page des bâtons. Page de coupe. Page d'épée et le page des roues, des pentacles. Il est beau celui-ci. Et les chevaliers, comme ça je vous les montre. Là vous avez donc celui des bâtons, les coupes, épée. Ils sont beaux, hein, les personnages là. Voilà, donc je vous ai montré, alors pas toutes les cartes, mais quand même pas mal, pour vous donner une idée de l'esprit de ce jeu. Donc il me plaît vraiment, a priori j'ai réussi à enlever la plupart des petits trucs qui dépassaient, donc ça c'est pas mal aussi. Voilà, bon après, la qualité, elle est ce qu'elle est. Donc c'est en dessous de l'Oscarabeo pour des jeux classiques, l'Oscarabeo, la qualité est en dessous quand même là. Il est léger le papier, voilà. Alors, mis à part ça, c'est vraiment un très beau jeu. Je suis très contente de l'avoir trouvé. Ça fait longtemps que je le voulais. Voilà, donc, il est vraiment, vraiment très beau. Les couleurs sont vibrantes. Elles sont vraiment très vives. Il y a de vraiment très belles couleurs. Voilà, vraiment un jeu qui est très, très joli, quoi. Et je voulais donc le partager en priorité suite à la demande de certaines personnes qui attendaient cette vidéo avec impatience. Voilà, bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais plein de bisous. Je suis super contente d'être revenue. Voilà, donc je vais me préserver un petit peu, faire des reviews, des unboxings. Ça, vous allez en avoir quelques-unes dans les semaines qui viennent. J'ai du boulot jusqu'à la fin de l'année, là, je crois. Donc ça, c'est bien. Voilà, donc de quoi faire des vidéos sympas. Et un dernier petit mot, je m'excuse de ne pas avoir fait de tirage. Donc cette semaine, c'était vraiment pas possible. J'étais vraiment trop mal pour faire un tirage. Mais vendredi, vous aurez donc votre tirage habituel des énergies et conseils de la semaine. Voilà, avec, je pense, un tirage pleine lune, parce qu'il me semble que c'est la pleine lune. Donc je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!